Bonjour tout le monde, c'est la Lemen Family. Alors là aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel achat. C'est ma Harley Davidson Street Bob de 2019 qui a 13 000 km. Voilà, je fais le tour de la bête. Voilà, en couleur biton, comme vous pouvez le voir, noir et gris. Donc j'ai acheté presque dans cette configuration là. Comme vous pouvez le voir, elle est très belle. Alors dessus, ce que j'ai fait, j'ai changé les clignotants avant. J'ai mis des clignotants noirs. Là il y a des poignées noires, mais ça je vais changer. Ces poignées réglables, j'ai acheté, c'était comme ça. Et ça va s'en aller. J'ai mis un covering au niveau des tubes de fourche pour accentuer le côté noir aussi. Ça c'est moi qui l'a fait. Bien évidemment, elle est passée en stage 1. Donc le filtre Screaming Eagle et les deux échappements Van Signs. Bon, ils font un peu de bruit, hein. J'ai enlevé les chicanes, ça fait beaucoup de bruit. Elle a les commandes avancées posées chez Harley. Bon, et après il y a plein de petites détails. Il y a le bouchon Skull avec la partie Skull ici et pareil le truc Skull ici. Voilà. Alors les futurs projets, elle va passer en, je vais la faire repeindre cet hiver couleur noire, toute noire, parce que j'aime pas trop la couleur biton. J'ai acheté d'occasion, mais voilà. Et là j'ai acheté une selle qui va arriver. Bon, c'est du AliExpress, mais elle est en très bon état. Et je vais changer certainement le pneu arrière pour en mettre un plus large, parce que là il est pas terrible, c'est du 150, j'aime pas. Donc, voilà, je vais vous la démarrer. Vous allez voir un peu le bruit que ça fait. Le phare LED à l'avant, voilà. Bon les amis, je vous laisse, puis allez regardez ma chaîne, abonnez-vous, c'est la Lemen Family. Tchuss, je vous ferai voir la suite, à bientôt.